Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Yazacraft. Voilà, donc je rappelle l'IP pour ceux qui sont intéressés, donc qui ont envie de venir un petit peu ici jouer avec moi. C'est play.yazacraft.fr, elle sera aussi en description pour les intéressés. On va donc passer sans attendre à notre chère vidéo. Et aujourd'hui je ne me tourne pas, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup avancé et que vous allez donc avoir la belle surprise de voir qu'est-ce que j'ai fait dans quelques petites secondes, puisque j'ai réussi à farmer tout ça pour obtenir enfin toute la terre. Voilà, donc le projet est accompli. J'ai réussi à planter des patates partout ici et j'ai planté donc des carottes de l'autre côté. J'ai mangé un petit peu des pastèques parce que j'ai faim, donc ça rapporte vraiment beaucoup. J'ai aussi changé un truc, donc en fait au lieu que ça pousse ici, donc tout ce qui est ça, bah, j'ai planté là de la terre et tout, enfin planté de la terre, hein. J'ai mis de la terre là plutôt, on va dire ça comme ça, afin que bah du coup ça pousse ici en fait, donc ça pousse aussi bien. Et puis bah du coup ça me permet juste d'avoir une ligne et ça me permet aussi de planter plus de choses ici, donc tout est très très bien comme ça. J'ai planté des arbres donc au milieu avec chacun 3 d'écart entre eux. Ça c'est pratique. Et j'ai aussi autre chose à vous dire, c'est que il y a de gentils abonnés qui se sont décidés à me donner pas mal de stuff, donc je tenais vraiment à les remercier. Donc c'est Zakirei et Monsieur Spoutnik. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir grâce à eux. Donc tout d'abord ici on a mon coffre outil, donc voilà, vous pouvez déjà voir le cadeau. Donc ça c'est Zakirei qui me l'a offert, donc gros merci à lui. C'est une épée en Diam's Sharpness 4 et Knockback 2, donc ça c'est assez ouf. Donc ça pourra peut-être me servir si on fait une tour à mob et que du coup on veut tuer les mobs pour avoir l'XP. Je pourrais les tuer avec ça, ça sera bien plus pratique. Il y a aussi Monsieur Spoutnik qui m'a offert un briquet, donc apparemment c'est un peu complexe à en avoir, donc il m'en a offert un. Ça nous permettra d'aller au Nether si on arrive à s'acheter tout simplement de l'obsidienne. Et j'ai reçu, comment dire, beaucoup d'autres choses de type bloc de fer, c'est-à-dire 3 stacks 25 blocs de fer, ce qui représente quand même beaucoup de blocs de fer, et 2 blocs de diamants. Donc vraiment gros merci à eux, grosse dédie. Donc Monsieur Spoutnik et Zakirei, si vous passez ici, bah gros merci à vous, ça fait très très plaisir. Donc on verra comment on va s'en servir, je pense qu'on va s'en servir surtout pour le beacon et tout ça, puisque rappelez-vous on avait gagné un beacon. J'ai aussi trouvé 2 Yazakli, enfin trouvé, je dis ça comme ça, mais en fait j'étais parti une fois manger. Et je reviens, j'avais gagné une Yazakli et puis il y avait dû avoir un petit event giveaway. Donc j'en ai gagné une, c'était cool, j'étais parti manger quelques minutes, vite fait, 3-4 minutes en speed, voyez-vous, et je suis revenu, bah, j'avais gagné ça, donc c'était sympa. Et puis là, aujourd'hui, bah, j'ai gagné encore une clé, il devait y avoir un mini giveaway pour tout le monde, on a tous reçu une petite clé, je pense, vu que j'étais avec un pote qui en a reçu une aussi, bah, du coup, je pense que tout le monde en a reçu une, et donc c'est cool. J'en ai aussi profité pour, comment dire, augmenter la quantité de vaches, comme vous pouvez le voir. Donc faudra peut-être penser à en tuer bientôt parce que là il y en a un peu trop je pense, mais bon ça on verra un petit peu ce que ça peut donner après. J'ai aussi reçu, ça fait beaucoup de choses que je reçois on est d'accord, mais j'ai aussi reçu quand on fait slash money de l'argent de la part donc de Monsieur Spoutnik qui m'a quand même donné plus de 1650 Yaza coins, ce qui représente quand même énormément de coins. Donc encore une fois, gros merci à lui. Je pense qu'on va s'en servir pour s'acheter des Netherwarts et faire une culture de Netherwarts, parce qu'apparemment la Netherwart c'est quelque chose qui rapporte bien si on la vend, donc il y aura moyen de jouer là-dessus. Donc franchement c'est bien, comme vous pouvez le voir aussi les plantations, ça marche de fou tout simplement. J'ai vraiment beaucoup de trucs, vous allez voir mes coffres agriculture, ils sont juste pleins à ras-bord. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Et puis on va aller vendre un petit peu tout ça au spawn, histoire de se faire quelques coins en plus peut-être. Ça peut être sympa. Donc on va aller faire tout ça. Hop, je descends. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment impressionnant. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de canne à sucre. Alors je sais pas si on peut vendre la canne à sucre. Donc pour l'instant je vais la placer là, on verra plus tard. J'ai beaucoup de pumpkins, donc ça on ira les vendre. J'ai beaucoup de melons également, donc ça on pourra les vendre. On va aller se faire encore des blocs de melon puisque on vend le melon par bloc et non pas par tranche malheureusement, sinon ça on aurait fait encore plus d'argent je pense, mais bon ça c'est pas grave. On va également pouvoir se faire du pain pour compléter les challenges, challenge qu'on va donc faire maintenant, vous l'aurez bien deviné. Hop, voilà, donc on a 21 pains, donc ça c'est très très bien. Hop, je vais replacer ici,
Et donc nous allons faire slash c. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, voilà, et on reçoit donc 5 dirt qu'on va mettre dans les blocs spéciaux, je pense. Hop, voilà, et on reçoit également, j'avais vu qu'on avait reçu autre chose, je crois, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a reçu? 5 dirt tout court, ok, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Dye Maker, donc ça, ça veut dire qu'il va falloir faire 21 teintes de cactus que j'ai déjà là-bas. Dans notre chère usine à cactus, voilà, j'en ai beaucoup, d'ailleurs je vais aller en vendre un petit peu au passage. Donc on va en prendre 21, hop là, on va se faire un petit peu de bois et on va mettre tout ça à cuire. Comme ça on aura donc nos, comment ça s'appelle, nos teintes, je pense que ça s'appelle comme ça, ou je ne sais plus comment, nos colorants, on va appeler ça comme ça, voilà. Hop, on va continuer de prendre un petit peu melon, citrouille, comme ça on pourra les tout bien vendre. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ouais, tout ça, je pense qu'on peut aussi aller vendre nos carottes. Donc ça je vais aller les prendre, j'en ai pas mal aussi je pense, si vous avez eu l'occasion de les voir. J'en ai beaucoup, donc c'est l'occasion d'aller les vendre. Hop, je vais prendre les patates aussi avec, on sait jamais. On va faire aussi le challenge avec les seeds, donc là on avance vraiment beaucoup. Donc le challenge avec les seeds, en avant, hop là, voilà, comme ça, ça c'est fait. On gagne, ah ça c'est bien ça, on gagne des vines, donc ça on va les mettre dans les items spéciaux, parce que je qualifie ça plus d'items que qu'autre chose, même si je me doute bien que ça, c'est plus des blocs, mais bon, je préfère les appeler items en quelque sorte. Je trouve que ça ressemble plus à des items qu'à autre chose. Donc là je pense qu'on a à peu près tout pris, j'ai aussi deux poisonous potatoes, donc ça je pense qu'il y aura des challenges plus tard, si je me souviens bien avec ça. Bon, ça c'est vraiment dans un avenir lointain, mais bon écoutez, c'est toujours bien. Du coup on va aller au spawn faire beaucoup de trucs, on va juste attendre notre machin qui cuit, histoire de pouvoir finir le challenge. Faudra aussi rajouter des coffres, hein, ça faudra que j'y pense, mais bon, c'est pas notre priorité principale, on va dire ça comme ça, donc on a encore un petit peu de temps avant de devoir forcément s'occuper de ça. Mais bon, c'est vrai que les fours c'est quand même quelque chose d'assez important. Je pense qu'aussi du coup, vu qu'on a reçu beaucoup de fer, on va pouvoir se faire des outils en fer, je vous ai attendu pour les faire, pour l'instant j'avais utilisé pas que tout ce qui est pioche en pierre et tout le blabla, donc je pense que ça va être bien, on va pouvoir se mettre un petit peu un upgrade de stuff en quelque sorte, j'ai envie de dire. Donc ça c'est une bonne chose aussi pour nous. On va attendre encore notre colorant et puis après je pense qu'on ira faire un petit tour au spawn pour tout vendre. Si j'aurais qu'aussi à cette heure-là, enfin vous ne savez pas quelle heure il est, mais il est presque 16h, c'est parce que tout simplement, apparemment, ils ont annoncé le plus gros event du serveur, donc à 16h. Moi, autant vous dire que ça me met pas mal la hype, donc écoutez, pourquoi pas faire ça avec vous, hein, je pense que ça peut être sympa. Donc on verra tout simplement ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut donner quelque chose de très sympa pour nous, surtout. Au niveau du stuff, donc on se mettra bien à vide au niveau du stuff quand il sera 16h, là il est 15h54 pour les intéressés, donc je me mettrai vraiment à vide, vraiment je vais pas avoir du stuff en arrière-plan parce que ce serait bête tout simplement de devoir rater du stuff parce qu'on est full inventaire, quoi. Ça ce serait totalement idiot, donc on va essayer de pas se gaffer comme ça. Je vais continuer de me faire des blocs, donc on a pas mal de trucs, ça va nous faire pas mal de coins. Là on est à combien? On veut juste regarder. On est à 1723. Ouais, si on peut déjà atteindre les 2000 coins, franchement ce serait bien. J'ai vu aussi qu'on pouvait acheter des spawners, donc ici le top ce serait qu'on aille des spawners, donc Iron Golem, pour tout simplement farmer le fer, et ça ce serait juste le paradis, parce que si on peut farmer du fer, mais on vend le fer qui se vend très très cher déjà, et on devient millionnaire, j'ai envie de dire. Ce serait vraiment bien, donc voilà, on peut faire notre challenge, on va le faire de suite. Ah, il en faut 32. Ah mince, j'ai pas vu, oups. Bon bah c'est pas grave, on va rajouter du cactus. Pour en faire 32, il nous faudra 11 cactus de plus, donc on va mettre ça tout de suite. Ah bah mince, j'avais pas vu. Bon, c'est tant pis, on va aller au spawn, en attendant du coup, on va pas tout attendre encore. J'ai pas le courage de repasser 2 minutes à attendre ça juste pour ça. Donc on va aller tout de suite vendre notre stuff ici. Ça lagouille un petit peu, désolé. Mais c'est... Oh, on peut vendre la canne à sucre. Oh, eh mais on...
Ouh là là, on va faire de ce fric. Alors, déjà, on va vendre ça. Donc, on en a 215. On en vend 215 direct. Qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre? Les potatoes. Eh ben, on en vend 189 parce qu'on peut en vendre 189. Les blocs de melon. On en a 162. On en vend 162, évidemment. Les pumpkins. On en a 311. Ben, on en vend 311, hein, écoutez. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du cactus. Est-ce qu'on peut vendre notre cactus? Oui, on peut vendre le cactus. On en a 32. Bah, écoutez, on vend les 32. Et on a un peu de haut coude. Bah, écoutez, on va le vendre aussi. Hop, 100. Voilà. On est assez vite maintenant au niveau du stuff. Mais je pense que niveau monnaie, on a bien upgrade un petit peu, je pense. Oui, 2300. Nous qui espérions faire 2000, franchement, c'est tranquille. Voilà, d'ailleurs, j'ai 7 hommes dans la maison direct. Comme ça, c'est plus simple. Ouais, donc franchement là c'est bien, on s'en tire bien au niveau de la vente. Et je vais aller encore vendre la canne à sucre, puisque du coup, vu qu'on peut la vendre, ce serait bête de passer à côté de ça, puisque je pense qu'on a moyen de se faire quand même pas mal d'argent, vu que j'ai je ne sais combien de stacks. Hop, on va juste en laisser un petit peu ici pour avoir une base. On va aller retourner au spawn. Combien on en a? On a 6 stacks, on a 9 stacks, ouais. On a 9 stacks de canne à sucre, je sais pas vraiment combien ça fait de canne à sucre au total, mais ça va faire beaucoup à vendre. 576, oh, ça fait beaucoup. 288 coins, on est tranquille, on est bien avec ça. Donc ouais, 288 coins, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de coins. L'event qui commence dans 3 minutes, d'ailleurs, il va falloir que je me vide l'inventaire encore plus pour ça. Donc c'est bien, ça va pas tarder à start cet event. Je suis assez pressé de voir ce que ça peut donner. Par contre, le monsieur Creeper, il va gentiment tout simplement partir. Hein? Bon, de toute façon, je pense que ils ont comment dire, désactivé l'explosion des creepers qui casserait les blocs, donc ça va. Mais bon, j'aimerais quand même pas qu'il explose, c'est un peu bête. Je préfère éviter ça, donc je vais rester comme ça, ce sera très très bien. Hop, on va continuer de casser tout ça. Donc ouais, on est à. Ouais, on est presque à. On est à presque à 12. Ah bah voilà, on a 12 trucs. Donc j'ai encore beaucoup de haut coude, ce qui va nous permettre de faire notre tour à mob tout simplement. Alors est-ce que je la ferai dans cet épisode? Est-ce que je la ferai dans un prochain épisode? Je ne sais pas. Ça pourrait être sympa d'envisager un petit timelapse aujourd'hui. Même si aujourd'hui j'avais surtout prévu de faire le puits dont je vous avais parlé, vous savez. Pour mettre notre eau tout simplement. Parce que là c'est pas très très beau. On a juste une petite source d'infini. Alors que là on a bel espace pour construire un puits. Ce serait bête de passer à côté de ça. Donc là c'est bon, on a ça qui est prêt. On va faire slash C et on va accomplir le challenge. Voilà, c'est nickel. On a gagné un diamant, on a gagné plein de choses. On a gagné 100 Yaza coins. Enfin c'est génial là. Donc on va tout simplement descendre. Donc on va mettre ça dans les pousses d'arbres. Voilà. Hop. Donc on a du birch, ça faudra que je le plante. On a du jungle, on a un diamant en plus, c'est sympa. C'est toujours sympa à avoir. On va le mettre du coup juste ici. On a toujours nos Yaza clés qu'il faudra entre guillemets unboxer. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme nouveau challenge. Alors nous avons grinder. Ok, donc ça ce sera la tour à mob qu'il faudra faire pour avoir ça. Farmer, donc il nous faudra 64 de blé, 64 de sucre, donc c'est la canne à sucre ça qui va faire ça, 64 de melon, 64 de carottes, 64 de patates. Ok, ça ce sera facile vu qu'on a déjà une grande ferme. Il nous faudra 10 fiches cuits, donc ça, il faudra faire une canne à pêche. Ça, bon, ça va, c'est juste du farming d'arbres un petit peu, c'est tranquille. 128 cookies à faire, ça va être un peu complexe. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Rich Iceland level 75, ok, donc ça on le fera. Enfin, vous voyez un petit peu les types de challenge. Donc il est 16h, je vais aller me vider, je vais juste aller garder mes Yaza clés, mais sinon je vais aller vider le reste dans le coffre d'hiver bordel. Voilà, on va tout mettre là-dedans pour voir un petit peu à quoi va ressembler cet event. Et on va faire slash warp clé, je pense que c'est ça, oui, c'est ça. Et on va aller ouvrir tout simplement nos clés au spawn. Donc là, c'est l'event qui va commencer. J'espère que ça va être bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un œuf de champimeux. Ah, c'est vachement bien, ça. Un œuf de champimeux et 16 bouteilles d'XP. Donc ça, c'est vachement bien. Je vais aller les stocker tout de suite. Donc, j'ai pas créé d'œufs pour les trucs. Donc, je vais les mettre dans les items spéciaux.
Pour les autres, j'ai pas vraiment fait ça, donc on va mettre ça comme ça, et puis les bouteilles d'XP, bah, je vais les mettre aussi ici. Et donc l'event devrait bientôt commencer, je pense. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, event au slash spawn, ok. Bah go au slash spawn tout simplement parce que... j'ai reçu 5 clés déjà. Ça commence bien, je pense que... je sais pas si c'est déjà fini. Peut-être, hein, il y aura que ça, je pense. Oula, il y a beaucoup de joueurs, ça lag beaucoup. Ça lag vraiment beaucoup. Donc je vais rester tranquillement sans regarder les gens. Là, ils sont très très beaux. Ouais, ça va être les particules qui me font laguer. Déjà que j'ai des textures pas corps. Pardon. Pardon les bruits. Je vais baisser mes sons. Hop là, voilà, chute. Donc ouais, ça doit être les particules qui me font pas mal laguer avec mon texture pack. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Alors, comment on va faire? On va le faire en moonwalk, voilà. Tranquillement. Sans être repéré. En discrétion, les particules ne s'affichent pas. C'est super. Hop, on passe discret. Alors, comment... Waouh, c'est le bordel. C'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Alors, du coup, on va essayer d'en ouvrir. Merci, non. Alors attendez, comment on va faire ça? J'ai failli en toucher une. Oui, 2 blocs de fer, ok. Ça commence bien, même si j'ai déjà beaucoup de blocs de fer, du coup, grâce au don. J'ai failli toucher. On y croit. Et c'est vraiment le gros bordel, les gens. Bon, je reste quand même ici en rec, parce que ce serait un peu bête de le faire hors caméra. Hop, oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 3 blocs de diamants. Et qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? Lesolek vient de gagner un bloc de diamant. 252 monnaies. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Ok, bon, on retourne à notre île. Un petit peu moins lagué quand même. C'est beaucoup plus sympa quand ça lag pas. Du coup, on a encore des blocs en diamant. Ça, c'est très très sympa. Et on a encore plus de monnaies. On doit avoir... Ouais, on a 2956 de monnaies. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc je pense que on va pouvoir faire pas mal de choses avec cette monnaie, comme s'acheter du coup des Nether Wart pour après les planter et puis, comment dire, pas les recycler mais les réutiliser et tout. Donc il y aura moyen de bien s'amuser là-dessus. Le chat qui spam, c'est assez embêtant, disons, donc ça c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais nous laisser sur un petit timelapse, voilà, de notre usine à mob que je vais sûrement construire ici. Donc ça risque de prendre quand même pas mal de temps de faire l'usine à mob. Donc je vais faire une cinématique comme j'avais fait pour l'épisode 4, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc tout simplement, je vais prendre beaucoup de oak wood, puisque j'en ai beaucoup. Je vais prendre du fer pour me faire des hoppers, histoire de pouvoir tout simplement collecter les choses. Mais ça, je le ferai un petit peu après, les hoppers. Et puis, tout simplement, je vais entamer la construction. Il me faudrait aussi un petit peu de cobblestone. Je dois en avoir là-dedans. Bon, je vais prendre de la stone directement pour faire un sol un peu plus... Ouais, quoique... J'ai déjà fait un sol en cobblestone slabs, donc pourquoi pas utiliser la même chose. Ce sera quand même plus cohérent. Donc, je pense que je vais faire ça comme ça. Et puis du coup, moi je vous retrouve une fois que j'aurai mis mon petit replay mode pour faire tout le petit timelapse, voilà. On va essayer de la construire ici, plusieurs étages ou pas, je sais pas encore, mais bon, j'ai quand même pas mal de blocs, je pense que si je les convertis, ça va faire juste une quantité énorme. Hop, on va aller faire ça tout de suite, hein, écoutez. Toc, voilà. Voilà, je sais même pas si j'aurai assez. Non, j'aurai pas assez de place. Comment faire? Je vais déjà faire le toit, puis... enfin le toit, le sol plutôt. Et puis du coup, ouais, je vous retrouve une fois que j'aurai un petit peu fini ça. Et puis je vous laisse avec le timelapse. Voilà, bon visionnage. Thank you.
Et re les gens, voilà, donc on se retrouve après ce long timelapse qui m'a permis de finir tout ça. Comme vous pouvez le voir, elle est assez massive, il y a 3 étages pour les mobs, c'est plutôt pas mal. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé de texture pack parce que je sais pas pourquoi l'autre voulait pas marcher. Donc écoutez, j'en ai pris un autre qui est un peu dans le même concept. Bon écoutez, c'est pas trop trop moche, je préférais peut-être l'ancien, même s'il y a quelques trucs sympas sur celui-là aussi. Mais bon, je veux dire, ça change un petit peu, au pire, c'est pas trop trop... trop trop mal de changer un peu de temps en temps. Donc du coup on va en profiter pour couper tout ce qui est melon. On va rentrer dans les petites maisons et nous allons chercher donc dans notre salle de coffre the ultime épée qui va nous permettre tout simplement de tuer un petit peu les mobs. J'ai gagné une clé d'ailleurs, je sais pas trop trop comment j'ai fait, mais j'en ai une, donc écoutez, pourquoi pas, au pire ça me dérange pas. J'ai rangé tout ça. Hop, voilà. Comme ça, ça s'est rangé. Hop. Alors, je me suis crafté beaucoup de seaux parce que je savais que j'en aurais besoin de beaucoup, tout simplement. Donc, je vais les replacer là maintenant. Ça, on va les placer comme ça. Voilà, comme ça, on fera une ligne pour chacun des seaux. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à replacer? Alors j'ai une yazaclé ici, j'en ai 2 autres ici, je sais plus comment je les avais eu, mais je les ai. Je crois qu'il y avait eu un past level, non je sais pas, enfin un truc en genre, mais bref, j'en ai 3 du coup. J'ai l'ultime épée, j'ai pas mal de stuff, de loot de mob que je vais aller placer donc directement dans les coffres. Écoutez, wow, comment toi t'es... Ah mince, j'avais pas pensé à ça, mais peut-être que les mini-zombies peuvent s'en sortir là-dedans. Oula, par contre les os ils sont chelous avec le pack de texture, c'est très bizarre. Bon c'est pas grave, mais hop, on va ranger ça comme ça. La gunpowder aussi qu'il faut que je mette, j'oublie pas. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Faudrait juste que je puisse accéder à ça. Ok, donc il y a 2 strings et c'est tout. Bon. On va essayer de les tuer un petit peu. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de creeper qui explose, parce que je pense que ça risque d'arriver. Voilà, super. Est-ce que l'XP veut bien passer? Je sais pas. Bon, peut-être. Bref, ouais. Du coup, il y a moyen d'avoir pas mal de stuff grâce à ça. Donc ça, c'est assez sympa. Je regarde de l'autre côté. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça nous a drop un arc, déjà. C'est bien. Les ficelles, on pourra se faire des cannes à pêche avec. Donc ça, c'est très très bien aussi. Hop, vous dégagez gentiment. On a des arbres qui poussent et tout. Bon, c'est bien. Faudra qu'on finisse notre puits. Bon, je pense pas le faire dans cet épisode parce que j'ai pas trop les ressources pour. Donc, ce que je propose de faire, c'est que vu qu'il nous reste pas trop beaucoup de temps non plus pour cet épisode, j'ai pas non plus envie de faire un épisode de 10 ans. Ce que je vais faire, c'est que. Comment dire, je vais juste prendre un petit peu de nourriture. Hop. Je vais peut-être juste aller, me faire un petit peu un équipement en fer, je pense, peut-être pas en diamants. D'ailleurs, gros merci à Simba OnMC qui m'a donné 10 diamants, j'avais oublié de le dire, mais gros merci à lui. Voilà, donc comme ça, ça c'est dit. Qu'est-ce que je cherchais déjà, j'ai réussi à oublier. Du fer, et donc on va se faire un petit équipement un peu, c'est ça que je voulais faire. Je vais prendre un petit peu de bois, juste tout. Donc hop, voilà. Alors on va le convertir. On va déjà se faire une pioche. Une hache, évidemment. Une épée, du coup j'ai celle-là, ça me servirait pas à grand chose. Alors une armure, je vais m'en faire une, mais je vais pas la porter tout le temps parce que bon, c'est du skyblock, on n'est pas non plus là pour se fight et tout. Donc je vais mettre l'armure dans outils. Parce que je sais pas trop où la mettre d'autre. Donc on va la mettre là-dedans. Toc. Voilà, ça tient bien. Les diamants, on va les mettre comme ça. On va plutôt faire ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais pas faire grand chose d'autre. Si ce n'est une houe en fer, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une houe en fer? Ça, j'en suis pas si sûr. Moi. Donc pour l'instant, on va pas s'en faire une. On verra peut-être à l'avenir. Mais bon, pour l'instant, on va s'en passer. Du coup, je vais vite fait terminer 2-3 mobs. Et puis, on va, je pense, se laisser là-dessus. J'essaierai de miner un peu de cobblestone en attendant. Histoire de pouvoir, comment dire,
faire notre puits, parce que bah, on a besoin de notre puits, parce que ça c'est vieux, c'est moche, ça a pas trop sa place ici, alors que un beau puits ce serait sympa. Finalement ce texture pack il est pas trop dégueulasse, hein, je trouve. Il est un peu bizarre, mais il y a quelque chose de sympa aussi. Ouais, faudra que je regarde. Par contre l'Enderman, tu vas me faire le plaisir de dégager, merci, au revoir. Hop, on va continuer de miner du menilon, oh, évidemment. C'est bien le menilon, hein. On aime beaucoup. Non, du melon pour être sérieux. Et puis bah du coup je pense moi que, bah, comme je vous l'ai dit, je vais vous laisser. Donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, parce que bah, j'ai pas d'autre raison si ce n'est que c'est cool, voilà. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo avec vos potes, bah, si ça vous chante, voilà. Et puis bah, du coup moi je vous souhaite de bien vous porter les gens, de passer une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis bah du coup moi je vous souhaite de bien vous porter, hein. C'était Léo, ciao. Oh, 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 oh